te genyen an pil moun ki asiste ofisyel e an pil moun nan populasyon ki asiste a anterman si la. Fok nou di ou, zanmi telespektateur, zanmi internaut, se premier sorti ofisyel, premier dam nan, nou ka di kounye la, ansyen premier dam nan, puisque Maryl Mouri li pa premier dam anko, se premier sorti ofisyel li, e ben nan premier sorti ofisyel, premier dam nan, nan anterman Maryl, li bay de témoyaj ki vreman émouvant nan anterman sa, donc li fè konen, président, eh ben, il était abandonné, trahi par ses pères. Donc, il dit, c'est un oligarque corrompu eux-mêmes qui touillent. Il faut que nous disions, il a abordé plusieurs points dans le dossier ça. Donc, il parlait de plan familial, sous plan familial et affectif, qui Jean était vivre avec Maryl. Avec petit Lio pendant tout temps yo t'ap viv ensemble, li parle des rapports yo te gagné, les yo te rencontré qui j'ai yo construit et ni familial yo jusqu'à ce que yo te rivé nan niveau ça pour que Maryl te rivé président. Donc li remercier tout monde, donc li dit c'est assassiné, yo assassiné et président, mais yo pas capable assassiner rêve li. Li dit bataille là a continué, donc c'était yon bon mari, li fait éloge Maryl, yon homme qui était responsable dans la famille. Donc, yon bon soldat qui pas de jam lâché prise. Donc, il dit tout, c'était, c'est yon bataille, yon perdit, mais yon pas perdit la guerre. Donc, bataille là, après, à poursuivre. Faut que nous disions, dans le discours, Joverlin Moïse, qui c'est petit garçon, et petit garçon là, eh bien, monsieur dit, papa, t'es dans mi-temps, yon ban traite, et c'est traite ça yon qui trahit papa, c'était dans mi-temps, yon ban méchant, papa, t'as évolué. Faut que nous disions, gagne un discours, ce Jovenel Moïse, tout, qui lui-même, qui condamné ça qui passé à, et qui lui-même, tout, gagne lecture pâle des situations ça. N'a invité au suivre discours yon après l'autre madame Jovenel Moïse, Martine Moïse, Joverlin Moïse, petit garçon avec seul lui-même tout qui t'est présenté, eh ben dans horizon funèbre qui t'est dit qui ça yo comprendre des gros événements ça qui passaient qui bouleversaient la vie yo et yo quoi qui bouleversaient la vie peuple haïtien. Tout nous invite au côté yon après l'autre au nom de toute la famille présidentielle. J'aimerais vous remercier au fond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé. Une personne sympathique, enjouée, dotée de grand charisme. Un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul. Il est devenu mon hymne et moi son orchestre. Ce jeune homme passionné, ce entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste. Donc personne avant lui n'a voulu parler. Ce système auquel peu avant lui ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille.
pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms. Sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont il s'affuble. Expert ex-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et misérable, chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvaient conduire à autant de méchanceté. Mais aussi les détails. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparé. Ce à quoi je n'étais pas préparé, c'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal. Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien. Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar de je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparé. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre au dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné, toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi, toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi, dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes, haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle. Ce sera lui. Ce sera moi. Ce sera nous.
Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, que viendras-tu les sécher? Je ne peux pas te faire mes adieux, alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte, les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur. Pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Haïtien qui vivent dans quatre coins pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui viennent supporter la famille dans un moment difficile, ça, nous disons merci en pile. Présence ou ben nous force à courage pour nous kakembe. Ils ont assassiné le président Jovenel, mais ils n'ont pas qu'à assassiner vision. Ils n'ont pas qu'à assassiner l'idée. Ils n'ont pas qu'à assassiner le rêve qu'ils gagnent pour le pays. Nous perdions la bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. L'Hitler n'a pas fini. Jovenel Moïse n'a pas plagué nous dans la route. Il était déjà montré nos chemins. Et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Je suis coupé bien bas devant le cadavre de Potori Garçon, président Jovenel Moïse. Marie, un bon papa. Yon bon mari, yon bon président, yon bon soldat. Nous faisons toute campagne ensemble, passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie frère action nous a subi. Jodi a m'abdil son au revoir, c'est pas un adieu. M'a salué chaque monde qui vient saluer des pas pour tout garçon ça. Qui tape mené une bataille, qui est un pile monde qui est privilège, pas de comprendre, mais qui voulait dire un pile bagaille pour monde en dehors. Jour qui était 7 juillet, c'est un jour que monde sans foi ni loi paraît à toute volonté pour chavirer chaudier l'espoir pour monde qui pi mal yo, pour gros orteil yo, pour tête canaille. Monde qui était commencé prendre sans l'espoir et développement. Parce que wout a fait bon la caillou, poto a mette, courant a bail, pompe soleil a installé pour couper grand goût. Jour 7 juillet, mais j'ai planifié pour y couper soufou. Sans y pas rendre compte qui mal y t'a fait pays, qui mal y t'a fait moun Haïti, qui mal y t'a fait diaspora. Moi connais ou pas de jambes remet politique jou. Ou pas de jambes voulait entrer dans politique. Monter toujours voulait un changement réel. Ou t'es toujours voulait la vie meilleure pour ça pi pauvre yo.
Moi pas penser que petit changement ça ou tu voulais faire. Tu ca mettre de l'eau dans toute famille. Tu ca mettre de l'eau dans tout peuple là. Moi pas penser que route de l'eau courant qui c'est base développement tout peuple sous la terre gagner. Qui c'est base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner. Tu ca mettre nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours ou t'es toujours voulu pour graisse cochon et cuit cochon. Mais hélas, ça t'est la cause que pays a été loxou. Ça t'est la cause que monde qui gagne contrôle gang yo, t'est la guerre de yo. Ça t'est la cause que conspiration village Tibois t'est manqué pour toi aller. Ça t'est la cause que ont été payé mercenaires. Vin dans pays a rester pendant plusieurs mois. Puis te ton 6-7 juillet pour te tenou tan kou lamp nan van. Yo goumen, jous si mek do ate. Jo, oligak yo gen yon batay. Mais ou bakon si pep la komanse wè kle, si pep la komanse kompren, si jel kale, ki dok ou devan. Nou pa di yon batay, mais la gen a poko fini. Faut que nous jouions justice pour vous. Merci. Permettez qu'on nomme toute la famille qui, depuis ces 15 derniers jours, ont entrepris une longue veillée autour de celui qui a été lâchement assassiné. Dans la nuit du 6 au 7 juillet, que je vous dise merci d'être venu accompagner à son dernier voyage, mon père. Le président que vous avez beaucoup aimé. Vous êtes venus, certains, de très loin. Le salut à la gare de son dernier départ. Au seuil de ce voyage vers les espaces infinis, il n'en revient pas. Papa, je me rappelle encore ce jour où tu m'avais annoncé plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes, cherche encore désespérément un signe de vie dans ce corps que les hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois. Papa m'a décampé dans même la cousa. Et grand-papa m'a couché dans ce qu'il. Papa m'a mis du courage sous lui pour te parler de papa. Il t'a mis du courage sous lui pour lui dire qui j'en ai mon papa m'a dit. Qui j'en ai élevé. Éducation de recevoir de lui. J'en ai bon monde qui te travaille. J'en ai aimé et j'en ai respecté. Jodian, c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est ton monde qui est rempli à l'amour. Même les gens vivent dans mes temps méchants. Papa m'était un modèle pour chaque grand monde. Papa m'était honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché d'être ensemble, même s'il t'a vécu dans la traite. Il était une compassion. Il était toujours l'aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous, c'était président pas nous.
c'est un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la caille. C'est un président qui a vécu pour peuple et qui finit par mourir pour peuple. Moi, je connais, il y a des gens qui font nous, papa, des fois, dans un tyran, il y a des gens qui font nous, dans un méchant, dans un diable. Il y a des dépenses en pile pour ça. Mais moi, je connais tout que, dans le matin 7 juillet, j'ai papa, mon frère, mais j'ai pas noté l'ouvre. Nous, bien clair pour nous. Alors, c'est ça que nous avons dans le genou. Nous avons mis des garçons et des femmes sous nous. Oui. Pour nous honorer les mémoires libres dans chaque action que nous faisons. Les gens qui ont accent, c'est des choses qui sont fragiles. Je dis, on l'a, des gens disparaissent. Mais on l'idée qui est simple, mais elle était éternelle. Nous sommes capables. Haïti pour Haïtien. Tout Haïtien doit le même droit. Haïti va louer tous pour un petit parti monde seulement, mais louer tous pour tout le monde. C'était l'idée ça, yo. C'est l'idée ça, yo, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, yo, yo assassiné. Mais pas oublier. On lit des plus puissants, pas c'est n'importe qui. L'idée continue de vivre et continue de grandir. Même les lavissis pas. L'idée est éternelle si on prend racine dans laquelle. Ce n'est pas la première fois qu'on assassine le président. On déracine papa. Et pourtant, Jean y a dit, on n'a pas jamais changé. Mais nous avons fait même erreur, nous avons fait plus que deux siècles à faire. Nous avons le goût, mais c'est vrai, nous avons le goût. Mais il faut que nous avons une sagesse. Ce n'est pas une violence pour nous. Nous avons le goût, oui, nous avons le goût. Mais nous avons le goût à toute tête, nous, pas avec les amis vietnamiens. On sait que chaque action, chaque décision nous prend, continue à honorer les mois président, son excellence Jovenel Moïse. C'est pour moi un amour, un honneur de prendre la parole au nom de la famille Moïse, docteur Bruno Alexandre. Félix, Aubourg, Jean-Louis, pour rendre un dernier hommage à notre frère Jovenel Moïse, entre parenthèses, Nenel pour la famille. Mon frère était un homme sincère. Honnête, spécial. Allez, chérie, allez. Qui ne se laissait vibrer par les propositions indécentes. C'est peut-être ce qui a valu sa mort. Tragique et crapuleuse aujourd'hui. Attends.
Moi, personnellement, je me sens très fière de mon frère parce que jusqu'à son dernier mot, il a tient tête. Oui, c'est ça même. C'est nous pour dire le vague mon cas de vous. Jusqu'à son dernier soupir. Je dis, alors comme je disais, moi personnellement, je me sens très fière de mon frère parce que il a pu tenir la tête. Parce que bon. Haute et altière jusqu'à son dernier soupir. Pour l'histoire servira à l'encre indélébile de son nom. Et on peut considérer mon frère comme le deuxième. C'est pas malade, malade, non? Mon frère, il a considéré. Comme le deuxième. Et Ah ben chérie, bon. Sauve le faire. Oh. Je voudrais pas être longue. Je voudrais pas être trop longue. Car les mots me manquent pour exprimer ce que je ressens. Mon frère Nénel, toute la vie a été véritable. Dédicace à ta famille et aux plus faibles. Enfin, Nénel, tu n'es pas mort. Tu n'es qui plus est, tu n'es pas parti. Comme l'avait si bien dit, poussez l'ouverture et je cite en me renversant, on a battu assez nous-mêmes que le trône de l'arbre de la liberté des noirs, il repoussera par ses racines parce qu'elles sont profondes et nombreuses. Je vous remercie. Et que le peuple haïtien rende justice à mon frère. Amis téléspectateurs, amis internautes, vous vous suivez ensemble avec nous, eh bien, funérailles. Et président Jovenel Moïse qui chantait dans la ville au Cap journée vendredi à où sont vivre trois temps forts de et ben gros événement ça qui c'est madame ni petite garçon avec seul qui parlait de et ben ancien défunt président faut que nous dit où et ben tout le monde reconnaît lui donc départ prématuré Jovenel Moïse président défunt Jovenel Moïse et ben c'est une page qui tournait dans l'histoire pays d'Haïti et c'est une page tout qui tourne dans l'histoire famille donc madame ni petite li seule
et famille Zamil sont témoigné ça et qu'on y a c'est et qui Jean et ben bon côté famille en suivi et pral assurer la vie pral rebougeonner continuer bougeonner dans famille et bon côté l'état haïtien que lui-même l'état dirigé comme président et bien qu'on y a nous connaît c'est monsieur et ben qui docteur Ariel Henry et ben qui succède et comme premier ministre alors qui vient la place premier ministre place président il était vide pour l'instant nous pas connait est-ce que a bien possibilité pour yo combler nous pas connait qui le ça pourra le fait en tout cas c'est histoire c'est demain qui a dit qui a bail raison qui a dit qui ça qu'a fait. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous sommes contents de rejoindre nous pour nous présenter une édition spéciale. Ça, c'était nous remercier pour écoute ou attention. C'était amis frères, mettez info qui t'a servi. On a rendez-vous demain, même le même chaîne. Si papa bon Dieu content. À bientôt.